Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre ici à Châteauguay pour un nouvel épisode de La Parole aux Entrepreneurs. Avant de recevoir notre invité, j'ai la chance d'avoir avec moi Adrien Paco qui est le sommelier, la flèche d'argent que nous retrouvons à Roya. Adrien, bonjour. Bonjour Jérôme. Tu as eu la bonne idée de nous faire déguster, mes amis et moi, un vin d'Auvergne, ce qui explique notre présence. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de notre futur invité ? Écoutez, oui, je vous ai fait déguster du coup la cuvée Les Copains d'abord chez Stéphane Bonjean, vigneron à Blanza, sur l'usine 2018 du coup. Un vin du coup avec une très belle générosité et une belle vitrine du coup des vins d'Auvergne et de ce qu'on peut faire dans la région. Plein de belles choses en Auvergne de plus en plus, à mon sens clairement la région de demain. On a la chance d'avoir une très très belle région au niveau des sols et toujours un plaisir de pouvoir faire déguster ces choses-là du coup. À des néophytes en termes de vin d'Auvergne. C'est important quand on est sommelier d'aller voir tous les viticulteurs ou alors tu as quelques points favoris et des points qui sont à côté du restaurant ? On essaye un maximum avec le temps qu'on a, avec le temps qu'on possède, mais du coup c'est toujours bien sûr, c'est toujours très enrichissant d'aller voir nos vignerons, de suivre les millésimes, de suivre un petit peu ce qui se fait actuellement, de suivre les changements et puis de toujours déguster de toute façon à continuer à garder le palais. Et, oui, et à garder le contact et à vous proposer toutes ces nouveautés que vous retrouvez dans l'ensemble des restaurants, bien évidemment, puisqu'on a une pensée pour tous nos amis restaurateurs et également tous les amis sommeliers d'Auvergne. Allez, il est temps maintenant de retrouver notre invité, notre hôte ici à Châteauguay. Notre invité est arrivé. Bon, déjà, première rectification, on dit pas viticulteur, mais on dit vigneron. Quelle est la différence entre les deux ? Alors, en fait, on peut dire les deux, mais moi, je suis un vigneron. Viticulteur, c'est celui qui va travailler la vigne et son travail s'arrête à la vendange. Mais par contre, il ne va pas vinifier, il ne va pas transformer et il ne va pas commercialiser. Peux-tu nous présenter ton domaine et expliquer un petit peu ton parcours ? Est-ce que tu es un jeune vigneron ou alors une grande et belle famille de vignerons auvergnates ? Alors, je suis un modeste petit vigneron d'une belle famille vigneronne auvergnate, dont je suis la 7e génération. Tout petit vignoble, par contre, on est à 4,10 hectares en production, avec 2 hectares en plantation. Et puis, je suis fier en tout cas d'arborer mes racines vigneronnes auvergnates. On a l'impression que cette nouvelle génération de vignerons que vous êtes en train de monter en gamme, en qualité. Et aurais-je envie de dire, on va plus se poser de questions, on va tout de suite prendre au restaurant un vin d'Auvergne dans les mois et les futures années. En fait, c'est le vin très tendance actuellement, mais à juste titre, c'est pas qu'un effet mode. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une vraie mouvance pour des vins. Alors, on est vraiment sur, il y en a beaucoup qui surfent sur la vague des vins de terroir volcanique. Je suis le premier à l'avoir revendiqué, donc je peux pas renier ça. On a un terroir qui est magique, on a une mosaïque de terroir en fait. Ce qui fait que si on devait faire des cuvées par terroir, on serait encore pire que la Bourgogne. Mais on a une qualité qui est très voisine en fait de celle des Bourguignons. Après, avec notre pâte à nous, quoi. Et la particularité des vins d'Auvergne, c'est un côté épicé poivré, une note un petit peu relevée sur un petit coup de peps qui va donner beaucoup de plaisir en accord avec des plats comme à la Flèche d'Argent. Et donc du coup, les gens vont y trouver vraiment leur bonheur. Parle-nous un petit peu de ton exploitation, les hectares, le nombre de personnes vous êtes pour travailler. Parle-nous un petit peu de la vie de ton entreprise et de ton vignoble. Ce sera assez rapide puisque je suis tout seul sur l'exploitation. Mais tout seul, ça veut dire que tout seul, tu gères tout ? Oui, après, heureusement, j'ai mes parents qui m'aident. Enfin, oui, maintenant, c'est encore un petit peu ma mère, mais surtout pour la partie administrative. Mais voilà, après, bon, on prend des saisonniers, notamment pour les vendanges, c'est la période phare, quoi, et clé. Et puis après, pour le reste, on fait des vins. Par contre, ce qui nous caractérise, c'est de faire des vins d'élevage long. C'est-à-dire que souvent, on ne va pas vendre le vin de l'année. Nous, on va attendre, en règle générale, 2 ans, voire 3 ans, avant de les mettre sur marché, pour que les vins aient le temps de se faire. Il faut donner du temps au temps, ce qui n'est pas forcément dans l'air du temps actuel. Mais en même temps, la tendance prouve actuellement que je suis dans le vrai, puisqu'il y a un retour, notamment avec cette période de pandémie, de Covid, etc., où les gens ont envie de retrouver ce lien avec le vrai, avec ce qui les entoure, le local. Et d'ailleurs, je les encourage pour poursuivre dans ce sens et faire marcher nos artisans producteurs locaux.
Quel a été ton parcours, j'allais dire de vie, de jeunesse, pour arriver à faire et à entretenir et à faire correctement ton métier et ta passion? Alors, je suis tombé dedans tout petit, comme on dirait, comme Obélix, quoi, puisque je baigne dedans depuis tout petit. J'ai fait mes premières vendanges à 4 ans, j'ai taillé mes premiers ceps de vigne à 7 ans, et puis voilà. Après, bac général scientifique, puis après, l'école de la Viti, c'est le surnom, à Beaune, en Bourgogne. Et puis après ça, il fallait s'installer. Donc, pour s'installer en France, il faut faire un stage d'installation à plus de 50 km de chez soi. Donc, j'ai multiplié par 100. Je suis allé voir ce qui se passait au Québec, au vignoble de l'Orpailleur, donc le deuxième plus ancien vignoble pionnier du Québec, et qui vient d'en plus militer et d'obtenir la première IGP d'Amérique du Nord. Et puis après, une fois installé, j'ai continué un petit peu mon côté un petit peu aventurier. Et j'ai fini au Vietnam, notamment pour installer le vignoble vietnamien. Voilà. Et envie de rentrer en France pour faire ton métier ? Ah oui, moi je suis vraiment attaché à mes racines. Pas envie d'acheter un peu en Californie, au Chili ? Non, je laisse ça à mon ami Daniel Cattiard, de Smith Lafitte, d'ailleurs qui a fait un très beau choix, c'est un joli vignoble, mais c'est pas ce que j'aime, c'est pas moi. Moi c'est l'Auvergne, et en particulier c'est le Puy-de-Dôme. Est-ce que vous vous réunissez ? Est-ce que vous travaillez ensemble ? Est-ce que la moyenne d'âge est jeune maintenant en Auvergne, chez les vignerons ? Ou alors il y a une différence au niveau des générations ? Est-ce que vous pouvez échanger et avancer ? Alors en fait, il y a une majorité en fait qui est autour de la quarantaine, 40-45 ans, ce qui est relativement jeune pour un vignoble. On a beaucoup de candidats à l'installation. Alors pour le moment, ils peinaient un petit peu à trouver des vignobles à reprendre, mais comme on a aussi une autre génération, celle de nos parents, qui partent en retraite et qui peinent à trouver des successeurs, la succession est tout assurée. Alors c'est souvent des néo-ruraux qui arrivent, des gens qui sont pas du tout auvergnats, qui sont néophytes, mais qui ont l'élément premier pour être vigneron, c'est-à-dire la passion et l'envie. Voilà. Et rien qu'avec ça, en Auvergne, après, si on a l'envie, la passion et la ténacité, on arrive forcément à de beaux résultats. Toi qui es chef d'entreprise, quelles sont tes ambitions pour les années futures ? C'est de grossir, de grandir, c'est de continuer à fédérer tous les vignerons de Châteauguay, de Blanzat, de cette belle région ? Alors moi je suis pour justement qu'on soit solidaire, qu'on soit soudé, parce qu'il n'y a qu'en étant solidaire qu'on avance. Donc oui, je milite toujours dans ce sens. Et donc pour ce qui est de l'agrandissement, pour ma part, j'avais arraché la moitié de l'exploitation puisque les vignes étaient vieillissantes. Et donc là il me reste à peu près 4 hectares, 4 hectares et demi à replanter. Mais j'ai pas de pression pour le replanter rapidement, si ce n'est de peut-être me mettre la pression en vue de préparer le terrain pour mon fils Gabin, si un jour il manifeste l'envie, et qui est déjà présente, mais de reprendre l'exploitation, sans quoi je serais heureux de céder mon exploitation à un jeune motivé. Stéphane, avant de se quitter, est-ce qu'on peut connaître ta touche, Stéphane Bonjean ? Alors oui, je pense, parce qu'on fait tous des vins avec un même esprit, mais ce qui me caractérise véritablement, c'est des vins d'élevage très long. Donc pour arriver à des bons élevages, il faut aussi avoir en premier une bonne matière première, donc en respectant l'environnement, en respectant nos vignes, qui est une matière vivante au même titre que l'être humain. Et donc du coup derrière, il faut extraire. Moi, mon secret, c'est faire une belle extraction dès la vendange, avec une belle matière première, et après, on va faire des élevages très longs, qui vont permettre aux tanins, aux alcools, aux acidités de se caler, pour avoir la meilleure balance, le meilleur équilibre au final en bouche, et ce qui va faire que j'ai des vins qui vont avoir une garde entre 10 et 15 ans, sans aucun souci, aussi bien blanc que rouge. Donc, c'est ce qui me fait un petit peu sortir du lot par rapport à mes collègues, mais la tendance, en tout cas générale, et d'aller vers ce peaufinement de la qualité et toujours cette exigence pour faire mieux. Le climat nous aide également, la hausse des températures, le changement climatique aide les vignes, aide le vin d'Auvergne. Alors, il l'a aidé il y a une quinzaine d'années, mais maintenant, en fait, stop, c'est bon, parce que tout de suite, c'est même trop. C'est-à-dire que les terrains qui sont trop qualitatifs, qui étaient déjà très qualitatifs, sont devenus trop qualitatifs, c'est un paradoxe. Et les terrains qui étaient, disons, un peu moins flatteurs, avec des terres profondes, un peu marneuses, qui gardaient l'humidité, ces terrains-là, maintenant, deviennent intéressants parce qu'ils gardent la fraîcheur, et cette fraîcheur
fraîcheur, elle est très très utile pendant les épisodes caniculaires qu'on découvre de plus en plus régulièrement. Donc j'imagine très fier de perpétuer cette tradition et cette de vin, des grands vins d'Auvergne qu'il y avait il y a déjà quelques années, qui s'était arrêté et qui redémarre. Totalement. En fait, pour moi, l'avenir de l'Auvergne, il passera par une petite maxime que je dis, c'est-à-dire l'avenir est dans le passé. À savoir que pour moi, l'avenir, il passera par aussi la réintroduction. Je milite pour beaucoup de nos anciens cépages, dont on peut goûter un avant-goût justement dans la cuvée Les Copains d'abord, avec le noir Florian. Et l'objectif, c'est de les réintroduire. Et puis remettre un peu de chauvinisme aux Auvergnats. Les Auvergnats savent très très bien travailler, mais leur gros défaut, c'est de ne pas savoir se vendre. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Stéphane, oui. Où est-ce qu'on déguste tes vins? Où est-ce qu'on les achète? Donne-nous un petit peu toutes les informations. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur Internet? Alors bon, moi, on peut me retrouver sur ma page Facebook. Autrement, on va me retrouver, bien sûr, au caveau de dégustation à Blanza, derrière la mairie. Mais après, sur tout le Grand Clermont et le Puy-de-Dôme, donc j'ai Jenny Villani qui me représente. Et donc, ce qui fait qu'on va me retrouver dans les meilleures tables, comme la Flèche d'Argent. On va me retrouver... également dans pas mal d'étoilés. Là, par exemple, aussi, le truc, voilà, quand on dit que les vins d'Auvergne sont pas assez bien pour ci ou pas pour là, et ben, je vais juste vous donner un exemple, c'est que mes vins sont très très bien représentés au palace de Mandelieu-la-Napoule, Oasis. Donc, au passage, je fais un petit coucou à Pascal Paul, c'est à Anne Long, les sommeliers qui mettent à l'honneur nos vins d'Auvergne. Merci, merci Stéphane, reste avec nous, reste avec nous. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou à redécouvrir les vins d'Auvergne ici à Châteauguay. Je remercie une nouvelle fois Adrien Paco, qui est le sommelier de la Flèche d'Argent à Roya, pour bien déjà la découverte de ce vin et nous permettre de faire connaissance et de découvrir et de faire redécouvrir tous ces magnifiques vins d'Auvergne. Merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre. Terminé pour ce nouvel épisode de La Parole aux Entrepreneurs, et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Merci beaucoup Stéphane.